Happy Valentine's Day to all you love. Salut tout le monde, on se retrouve sur GTA en live pour un petit glitch pour vous montrer comment on peut faire du skateboard. Donc cette vidéo va être un peu... Je voulais la faire courte mais du coup je vais la faire durer un peu le temps, longtemps. Donc du coup ça va être vous montrer comment on peut faire du skate sur GTA. Si vous le savez, bah tant mieux. Si vous le savez pas, bah c'est pour ça que je fais cette petite vidéo là. Donc on va se diriger direction le garage pour aller prendre une voiture. Une petite voiture. Ça y est, on sort du garage. Dites-moi lesquelles voitures vous, quand vous voyez les voitures, lesquelles vous préférez et tout. J'en ai pas beaucoup, c'est vrai. J'avoue. Donc là je prends ma petite voiture préférée, elle roule super vite, mais du coup bah je vais faire peut-être des vidéos avec des courses, c'est pas peut-être, c'est sûr, des vidéos sur des courses et tout. Donc il y aura des prochaines vidéos qui vont arriver. Donc pour cette vidéo là il faut aller direction l'aéroport, direction l'hangar du Titan. Si vous savez où il se trouve, tant mieux. Si vous savez pas, bah je vais aussi mettre un petit point. Ah, un camion bancaire, on va faire demi-tour pour l'attaquer. Donne-moi tes sous, s'il te plaît, mon petit lapin. Non, je vais pas me mettre à chanter quand même. Ah, les sous sont pas tombés du camion. C'est ballot. Par contre, maintenant je suis rechargé, j'ai 3 étoiles. Ça, c'est encore plus bête. On va essayer de s'enfuir sans se faire tuer. C'est pas gagné. Ah, salut à tout le camion. Alors on va essayer sans se faire tuer par la police. C'est pas gagné. J'ai failli mourir. Allez, direction l'aéroport sans se faire tuer, c'est pas gagné, vraiment pas gagné. Donc je vous disais que bah, il vous faut des munitions, des armes, pistolets, mitraillettes, et c'est tout. Donc si vous connaissez comment on peut faire du skate, bah c'est pas vraiment compliqué en fait. Enfin, le faire à plusieurs, ça doit être vraiment marrant, le faire à deux, monter sur la planche et le faire à deux. Donc je vais vous dire comment il faut faire pour faire du skate. Donc comme je vais vous faire voir sur la vidéo, faut se rendre direction l'aéroport, bien sûr, pas faire comme moi sans se faire tuer déjà, sans avoir les flics, ça sera 10 fois mieux. Donc ça sera super cool. Donc il faut se mettre direction le Titan. Il vous faut pistolet ou mitraillette. Non, et je préfère vous dire non grenade. Non bombe collante ni bazooka, parce que j'ai vu des vidéos des gars qui le font sauter au bazooka. Ils sont trop forts. Donc c'est un américain qui a fait ça, j'ai vu il y a un américain et des français qui l'ont fait, comment faut faire du skate sur GTA. Donc du coup bah, je voulais vous faire voir quand même comment on peut faire du skate. Donc bah c'est pas vraiment compliqué. Donc là je suis toujours rechargé par les flics, on va se planquer. Allez, on va monter les étages, on va monter les étages, on va monter les étages. J'espère qu'ils vont me laisser tranquille, les flics. Ça sent pas mal, là, les petits chéris, laissez-moi tranquille. Allez, on tourne en rond. Donnez une petite note sur la voiture. Couleur blanche et noire. Les deux pots sont magnifiques. Surtout le bruit de la voiture, j'adore. Mais donnez-moi une petite note sur la voiture si vous voulez. Ça me fera plaisir pour la couleur ou la forme de la... pas la forme, mais oui, la... Par contre, elle va super vite. Hein. Je l'ai blindée à fond, les vitesses et tout, donc du coup, des fois, j'ai du mal à la contrôler.
Donc c'est... Je suis obligé de freiner à fond pour pour que ça marche. C'est vraiment chiant. Donc du coup c'est... On a échappé des flics. On va sortir du parking, on va sauter du toit. Donc oui, j'ai vu cette vidéo-là, donc je voulais refaire un peu... vous montrer comment il faut faire. Donc comme je vous disais, bah, il faut pas de grenades collantes ni de bazooka, sinon bah, l'avion il explose. Donc si vous avez bien compris, il faut se mettre derrière le Titan. Je vais vous montrer ça tout de suite. Là, j'y vais. J'ai embrassé le petit poteau, c'est pas marrant. Donc non, j'ai... Du coup on y va, les Gaston. Donc oui, il faut se mettre derrière les fesses le cul du Titan. Et tirer sur la petite plaque qui est derrière. Pas la plaque que vous rentrez les voitures dedans, mais les ailes. Donc je vais me garer et je vais vous faire voir. Parce que je vous dis ça, mais vous allez pas comprendre tout de suite. Donc je choisis l'arme. Pistolet ou mitraillette, ça peut marcher. Vous voyez là, je me mets derrière le cul du Titan. Comme vous voyez là. Et là où il y a deux petits traits, des traits là. Donc je vais vous montrer en tirant dessus. Donc il y a les traits. Et du coup c'est ça qu'il faut détruire, les traits qui sont là. Donc je tire dessus. Bon, des fois c'est long à tomber et ça marche pas avec le pistolet, donc du coup il faut une mitraillette. Ça sera plus facile des fois. Donc je prends la mitraillette. Voilà. Et je vais tirer et la planche elle va tomber. Vous allez voir. Voilà. Et du coup vous montez dessus. Et vous amusez. D'accord, Oui, là c'est pour vous faire voir que vous faire voir que la planche est tombée, il y a une sur l'autre côté de l'avion. Et du coup vous montez dessus et vous amusez à tirer. C'est vraiment pas compliqué, vous voyez, à flotte, à slave et. Bon, faire avoir des munitions, moi j'en ai plus beaucoup, mais voilà. Avoir des munitions, c'est vraiment pas mal à faire ça. À le faire à plusieurs, même à le faire à deux, à faire s'amuser à prendre chacun une planche et à s'amuser à faire une course. C'est vraiment pas bête. Faut bien rester positionné sur la planche, sinon après bah vous partez et c'est chiant, après faut courir après la planche. Donc vous voyez, je tire dessus, même l'autre côté, je peux changer de côté, je tire dessus la planche, hop, allez hop. C'était un petit glitch, on va dire ça, même pas un glitch, une vidéo pour vous montrer comment on peut faire du skate. Alors, vous regardez, hop, je tire, et ça glisse. Allez, je vous laisse sur les images, salut, à bientôt, portez-vous bien, et puis c'est tout, salut.